Hello les amis, c'est Mitrap Nomad de Nintendo Alert et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle soluce sur une armure et c'est l'armure Zora. Alors la première pièce d'armure, c'est pas la peine de vous montrer, ça me serait difficile de vous le montrer vu qu'on l'obtient dans l'histoire principale, mais reste à trouver les deux autres pièces et c'est là que j'interviens. Alors on va commencer par cette pièce, je vous montre qui se trouve ici. On va se TP, je vais me TP là. Et je vais changer d'armure. L'armure isolante, ça va pas être très, très utile dans l'eau. Allez, on se retrouve au domaine Zora. Je vais aller mettre toutes mes armures. Je vais m'équiper. Alors, j'avais une affection particulière pour Mipha. J'avoue qu'elle me manque un peu. En même temps, j'avais une affection particulière pour tous les prodiges, donc. Alors, vous voyez cette espèce de chute d'eau, c'est là qu'on va aller, c'est cette chute d'eau qu'on va remonter. On va aller sur la gauche. Façon de pas tomber, hein. Voyez là, en dessous. Hop, quel... Allez, prends, prends, prends. Je vous dis de faire attention de ne pas tomber, c'est moi qui tombe. Ah là 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 là. Bon. Commencez, hein. Ça, c'était vraiment pas malin. Donc, je répète, faites attention de ne pas tomber, parce que sinon, vous allez devoir faire comme moi et recommencer. Donc, voilà, ça se trouve sur un. Sur cette île en forme de poisson. Ouais, c'est pas bien grave. Et on y retourne. On va faire attention de ne pas tomber cette fois. Allez, allez, à gauche. Disais, on voit là, ici, l'entrée. Je suis un peu. Et j'ai plus envie de tomber. Un petit moment de stress. Allez, on va chercher le coffre. Et voici le casque. Donc on enchaîne avec la dernière pièce. Et passer la balise.
Alors. La dernière pièce va se trouver. Je fais tout de mémoire, donc excusez-moi parfois si je regarde. Alors, va se trouver ici. Vous savez, dans le tourbillon. D'ailleurs, au cas où il y a un Korogu dans la forêt Korogu qui va vous demander une photo de ce genre de tourbillon, donc au passage, hein, n'hésitez pas à le prendre en photo. Ça vous validera une quête. Go. De l'autre côté. Grenouille qui disparaît. Ça me rend, je sais pas, ça me rend triste de voir que la statue de Mipha est reléguée ici. C'est pas trop compréhensible. Pourquoi est-ce que on viendrait mettre Mipha ici alors qu'elle était dans le château? Pourquoi est-ce qu'on met Sidon, qui, soit dit au passage, est encore en vie, lui? On vient reléguer Mipha ici. Ça me rend un peu triste. C'est comme ça. C'est la décision des développeurs. On n'y peut rien. Après, on pourrait dire qu'il y a une belle vue, hein, mais... Donc voilà. Donc si vous voulez prendre une photo, tourbillon, là c'est sur un des rochers en bas. Hop. Ici, trois côtés, hein, comme vous voulez. Hop, allez. Mais... Oh là là, mais vraiment, alors décidément, soit je joue trop, soit je joue trop. Allez, tourbillon. Hop, on enregistre. Ça va faire plaisir au Korogu. Et ça vous validera la quête, comme je disais. Et on se jette dans ce tourbillon. On se jette, voilà. Et on se laisse engloutir. Hein. Bon, ça, on l'a déjà fait dans l'histoire principale. Vous voyez très bien où on va. Allez, c'est parti. Allez, on progresse. On se dirige vers la gauche. Hop. Vous voyez, il y a une espèce de grotte. Ah, on prend le temps de se repérer. On avance. Et on va ouvrir le coffre pour récupérer la troisième pièce
de l'armure Zora. Voilà, bon, évidemment, on a réveillé un Nidorok. Mais voilà. Donc, je vous remontre où se trouve la troisième pièce. Donc, il faut passer par le tourbillon. Vous restez sur votre gauche et ça va se trouver ici, la troisième pièce. Voilà. Si j'ai pu vous aider, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle soluce. Bye bye les amis.